déjà nous, je dis nous parce que j'ai grandi dans la banlieue lyonnaise, assez difficile. Et nous, c'est avec Luis Fernandez, parce qu'on se connaît depuis l'âge de 7 ans. Notre leitmotiv, c'était d'aller voir les pros de l'OL s'entraîner. On pensait foot, on jouait foot, on faisait sauter l'école pour aller voir les pros de l'OL s'entraîner. On réfléchissait foot. Notre vie, c'était le football. Bon, c'est pour ça que quand on voyait ces joueurs devant nous et voir les matchs, on allait voir tous les matchs. On avait 7-8 ans. Déjà, on se disait, ça serait bien d'être professionnel un jour. Donc ça a été un peu notre leitmotiv et de pouvoir gérer un petit peu tout cela avec lui. On était tout en bande. Ça nous motivait encore plus. Donc pour nous, être professionnel, c'était le rêve de toujours, quoi. Là, j'ai joué au Matra Racing, club de Jean-Luc Lagardère, pendant 10 ans. Ensuite, j'ai fait Bordeaux et j'ai terminé à Lyon. Ma carrière à Lyon, qui est ma ville natale. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu bouclé la boucle. Moi, je dirais plus en équipe nationale. En club, j'ai eu des beaux souvenirs parce qu'avec le Matra, entre parenthèses, je suis le seul. Le Racing, ça a duré 10 ans. Je suis le seul joueur à avoir fait les 10 ans. Donc j'ai vu tous les joueurs, les plus grands joueurs, les Bossis, les Francescoli, Ginola, je ne vais pas tous les citer, mais je les ai tous vus passer. Et Lagardère, le président, il ne voulait jamais que je parte. Donc je suis resté 10 ans dans ce club. Alors c'était forcément mon club de cœur. Mais bon, plus beau souvenir, ça reste quand même la Coupe du Monde 86 avec l'Algérie au Mexique. Donc c'était pour un joueur professionnel, je pense que c'est un aboutissement de faire une Coupe du Monde. Et moi, j'ai réussi à la vivre au Mexique avec l'Algérie. C'est extraordinaire parce qu'au départ, ils étaient dans un groupe pas facile. La Belgique, la Corée, la Russie. On se disait, bon, l'Algérie, bon, ils vont finir 3e, 4e du groupe. Et finalement, ça a été une surprise étonnante, puisque quand on voit maintenant que c'est l'Allemagne qui est en finale et que seule l'Algérie a pu les faire jouer en prolongation, on se dit que c'était pas un accident. Donc ils méritent amplement leur parcours et de ce côté-là, je leur tire mon chapeau parce qu'on a une équipe jeune, une équipe d'avenir. Et je pense que ça, pour un pays comme l'Algérie, c'est extraordinaire. Quand j'étais très petit, par le regard de la télé, on suivait tous les matchs, bien sûr. Ça a été des Johan Cruyff, ça a été des Pelé, ça a été des Beckenbauer. De voir ces joueurs s'affirmer, pour moi, j'étais tout petit, c'était des idoles. Ensuite, en grandissant, quand on allait voir justement les pros de l'OL s'entraîner, ça a été des Dinalo, des Chiesa, des Bernard Lacombe, des Tigana. On les côtoyait parce qu'on allait les voir souvent à l'entraînement. Et vraiment, à la fin, ils nous appelaient, ils nous voyaient tous les jours pratiquement, parce qu'on faisait sauter l'école pour aller voir les entraînements. Ils nous appelaient les corbeaux tellement on était là tous les jours. Donc, on avait lié quelque chose avec eux, donc c'était quelque part nos idoles quand on était petit. Disons que beaucoup, beaucoup seuls, enfin, je ne vais pas dire seul, parce que c'est vrai que des hommes comme le président Lagardère, qui voulait que je reste tout le temps dans ce club, il ne voulait jamais que je parte, c'était quand même pour moi quelque chose d'extraordinaire, qu'un président comme lui, cet homme à l'époque, qui était un des leaders mondiaux dans le monde de l'entreprise, me conseillait, me disait attends l'équipe de France, tu peux jouer en équipe de France. Et moi, quand l'Algérie m'a appelé, je ne pouvais pas attendre. J'ai été faire le mondial du Mexique. À part quelques hommes comme ça, j'avais une grande force de caractère. Donc c'est vrai que j'ai vécu des hauts, des bas, des blessures, des coups de blues. Dans une carrière, c'est beaucoup comme ça. Mais je suis assez fort moralement pour m'être relevé chaque fois dans la difficulté. Gérer l'humain, nous, personnellement, quand tu es sportif de haut niveau, tu te gères
seul. Mais après, quand tu fais partie d'une équipe collective, tu es obligé de côtoyer d'autres joueurs qui n'ont pas le même caractère que toi, qui n'ont pas la même vision, la même mentalité. Donc c'est difficile, cette gestion-là est difficile parce qu'il faut être vraiment soudé et être solidaire parce que chaque joueur a son caractère différent. Donc pour l'entraîneur, c'était difficile de rassembler ça aussi. Donc gérer l'humain, c'est pas facile quand on est dans une vie de groupe. Il y a des infinités, il y a des joueurs avec qui tu t'entends bien, il y a des joueurs avec qui tu ne peux pas avancer. Donc il faut encore prendre sur soi et faire la part des choses sur pas mal de choses, de sujets, parce que quand on est sur le terrain, il faut vraiment être tous ensemble.